Cette vidéo est produite par la Team ARM. Si tu souhaites nous soutenir, tu le peux en t'abonnant à la chaîne YouTube et à tous nos réseaux. De plus, tu peux également rejoindre la communauté à travers le Discord et visiter notre site web. Mieux encore, tu peux acheter tes jeux sur Instant Gaming avec notre lien affilié. Entre 1 et 3% du montant de ton achat nous est reversé et en plus tu économises de l'argent en achetant tes jeux moins chers. En faisant tout ça, tu aides à produire nos vidéos, trouver des invités pour les grands débats, financer l'hébergement du site et lancer tout plein de nouveaux projets. Tous les liens sont dans la description, donc ne te gêne pas et bonne vidéo à toi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arpro08. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve sur GTA Online pour la découverte de ce véhicule qui est l'Albany Calva 4XL. Donc, le véhicule se trouve sur Sumtern San Andreas Super Auto. .com. Il est à 1 665 000 dollars et il est disponible dans les 4 coloris avec les caractéristiques d'origine qui sont celles-ci. Donc je suis en compagnie de Red Sky et de Mister Boost. Salut à vous. C'est nous, bonjour. Encore eux, oui. Vous allez beaucoup les voir prochainement. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir avec. Parmenier, j'étais en train de finir mon trix là. Et du coup, on va customer ce véhicule qui a pas l'air ouf du tout. On verra ce que ça donne réellement. Vraiment, franchement, d'origine, là, déjà, j'aime bien son style. Bon, je suis pas fan, mais après, j'espère qu'il y a des bonnes pistes. Wow. Ah, t'as vu, ça, c'est l'ancien cavalcade. Ouais. C'est le classique. Ah bah, j'ai déjà tout perdu. Super. Ah, tu vas me voir là. Si, mais j'ai loupé la sortie, chef. Je suis arrivé trop vite. T'as vu en même temps comment j'ai atterri à côté de toi à fond là. Ah, il est bien fait le moteur. Peut-être. Moi, bah, je te le dis. Nous sommes en. Les gros bourrins. Quoi. De ouf. Il me tire dessus là. C'est faux. Soit on est l'escorte du président, soit on fait un go fast. Il a voulu me faire un pit le PNJ. C'est un des deux. Moi je visais le go fast. Hein, ouais. Si vous êtes là, je vous connais. Ouais, vous, hein. Ça tout, dépend de quel président. Eh hey, voyez, Wallride. Ah, pas trop en fait. Ça a pas marché. Ouh, j'avais pas vu le bus. Ah, Crocro non plus visiblement. Oh putain, comment je suis passé entre les PNJ là. Oh là, c'était chaud là. Attendez-moi, Aigué. Monnier, il a fait un dribble avec la poubelle. Mais la poubelle l'a dribblé. Oh. Putain, Monnier, il fait des... Putain, il me crève les roues, l'autre. Mais c'est pas vrai. Oh, le PJ s'est pris le poteau ouais, dans la tiens. Oh, putain. C'est vraiment un carnage de la connaître tous les trois. Ah ouais. Je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais, t'imagines dans la vraie vie si on est réunis tous les trois là. Aïe aïe aïe. Oh, merde. En vrai c'est encore plus drôle qu'à Yalitech. Ouais. Ah là si on est tous les quatre là, vaut mieux partir hein, parce que là. Là ça va cogner hein. Tous les quatre IRL, je pense que le département brûle au bout de deux jours. Ah non, t'as raison. Oh non, j'ai mis flic le perso du. Ah, sur le véhicule, le perso, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, c'est trop chiant. Putain, mais tu sais que j'avais même pas remarqué tellement je remonte à chaque fois en fait. Mais ouais, mais c'est. Habitude. Ouais, et moi à chaque fois je râle donc. Et vu que je suis un râleur en fait. Ça, c'est vrai, ça que t'es un râleur. Bah, déjà, tu vois les ailes, j'aime bien. J'arrive, hein. Je suis en train de galérer. Oh, il y a plein de capots par contre, on est par contre, ça m'inquiète, je gare. Là pour choisir les capots. Oh oui, vache. Alors, on va commencer par les motifs comme d'habitude. Ah, j'aime bien ce capot. Ce capot, ce pare-choc, je parlais des pare-chocs, hein, pas des capots, je suis con. Hein. Regardez ce camouflage. Y a pas tant de pare-choc que ça, mais j'aime bien le dernier.
Regardez l'horreur de ce camouflage. Tu peux voir? Oh merde. Il y en a deux qui sont affreux. Oh merde. Ah, il y a celui-là aussi. Quoi la différence entre le normal et le sport? Ah oui, c'est la LED, ok, super. Une LED qui change. Et le GT, c'est la LED aussi. Ben, le GT, il est très bien, j'aime bien. Les échappements. Alors, les échappements d'origine sont très beaux. Je suis pas inspiré pour ce véhicule. Oh, le triple... triple chromé à la fin, MDR. Je vais mettre le sport chromé, moi, en échappement, parce que le 8, j'aime bien. Mais non, il y a des ailes. Mais on peut faire un truc entièrement en carbone. Tu peux foutre les ailes en carbone. Sérieux? No joke. Tu peux faire un full carbone, comme ça, là, tu te lâches un délire, tu sais. C'est quoi ce machin? Blindage 100%. Frein de course. Par choc. Ah, mais on voit rien comme on est en face là, sur la calandre, on voit rien, gros. On est trop proche du. Waouh, on est trop on est proche du pare-choc arrière. Mais pare-choc avant, c'est pareil. Mais tu peux dézoomer? Ah non, tu peux pas. Mais non, tu peux que zoomer dans le jeu, c'est pour ça que je te dis on est trop proche. Par contre, les pots d'échappement, c'est ceux d'origine qui sont les plus beaux. Ouf. Ouais. Tiens, calandre. Oh, ça c'est beau. Je sais pas ce que je vais en faire de ce 4x4. Je suis un peu dans la même... Moi, je crois que j'ai ma petite idée hein, de ce que je vais en faire de ce 4x4 là. Fais à mesure des custom. J'ai même pas vu la différence entre le premier et le deuxième. Ah si, le deuxième pare-choc est beaucoup plus beau. Hop. Motif, c'est déjà... Attends, je vais quand même regarder les motifs pendant que je cherche de couleur. Oh, ce serait plus beau ça. Oh, alors ça, je mets direct. Rétroviseur. Merde, j'ai fait au pif, mais non. Plaque. Arcro 08, comme d'habitude. Peinture, c'est fait. Accessoire de toit. On va mettre des ça, bas de caisse. Putain, y a pas mal de trucs, mine de rien. Accessoire de toit, oh non. Il y a que les accessoires. Il y a pas le toit. Genre on peut mettre tout le véhicule en carbone, mais on peut pas mettre le toit en couleur principale là. C'est ça la connerie là. Aileron non, suspension non, transmission de course, turbo toujours, roue type de roue. On va mettre des roues SUV parce que bah. Couleur des jantes, bon, on va mettre ça. Hop, pneus, oui, apparence, oui, couleur des pneus, couleur rouge, enfin couleur fumée pneus. Et ben moi j'ai terminé. Y a pas le toit. Non, tu peux pas, ça fait chier. Oh, ça me cassait les couilles un peu moi pour mes modifs là. Moi je pensais qu'il y avait le toit, j'ai tout fait en... comme s'il y allait y avoir le toit et il n'y a pas de toit. Parce que là du coup si je fais ce que je voulais faire ça va donner moche. Là, ça donne moche ouais. Hop, on va se mettre ici. Ah mais ouais, pourquoi c'est pas... il... Alors, le véhicule est une 5 portes, je pense. On va vérifier ça dans
quelques secondes. Ouais, c'est un sac-porte. Donc, voici l'intérieur avant. Bah, l'intérieur avant ressemble à un SUV qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Bouge, Victoire. Voilà, l'arrière. Ah, les portes sont assez stylées d'ailleurs. Les portes sont très bien faites dans ZLC d'ailleurs. L'intérieur arrière est plutôt bien fait en fait, pour une fois. Enfin, c'est la deuxième fois dans ZLC, je suis étonné. Le coffre, bah, toujours aussi vide. Et du coup, l'intérieur côté, voilà. Bon, l'arrière c'est le même, c'est vraiment là que ça change un petit peu. Il n'y a pas de volant. Et le moteur, bah, le moteur est bien fait. Toujours le 2D en dessous, ça c'est dommage, mais ça du coup ça sera à chaque fois. Et du coup, gérer les véhicules, préférence véhicule, partie ouvrante aucune, et on va tester le bruit du moteur maintenant. Donc on monte le son tout de suite. Ok, bon, le bruit est plutôt sympa, c'est un bon bruit qui ronronne bien. Pour une fois on voit le compteur du véhicule, ça c'est cool. Ça change de d'habitude et là du coup on va attendre Red Sky et Mr. Boost qui sont en train de faire leur véhicule. Alors, Mr. Boost a terminé de faire son véhicule, donc voici comment il l'a fait. Je vois. Du coup, t'as dire que j'aimais bien le tien. Ouais, bah je. Avec les bandes noires, c'est une ça bonne rend idée. Bien, ouais, je suis content du résultat. Pardon. Bah, c'est génial ça. J'ai vu ce qu'il a fracassé mon véhicule. ouais, son véhicule à 1500, j'aime bien. Ah, t'as mis un aileron toi. Moi, j'ai pas mis d'aileron, j'aimais pas l'aileron. Ouais, j'ai mis un petit aileron. Moi je trouve qu'un véhicule, un aileron sur ces véhicules ça fait très con. T'es en train d'insinuer que je suis con? Bon! Bon! Vraiment pas. Ah, voilà, bon, Red Sky a également terminé. On va aller voir son véhicule maintenant. Pourquoi il y a des gens. Bah, dans la nuit tu verras rien. C'est vrai que dans la nuit tu vois pas. Bon, il est en noir. Il est noir. Il est non, noir. Justement. Ah. Ah, il est pas noir. Il est bleu, comme l'autre. Non. Ah, il est pas bleu. Bon, les ah, trucs. Vert. Il y a un reflet de vert. Ok. Allez, c'est parti pour le Mont Chichi. Bon, je pense qu'on va pas non plus galérer à monter avec ce véhicule. Il est quand même assez rapide. Il est 1034 quand on part, donc on va pas attendre très longtemps normalement. Ça se voit. Je dis bien oui, normalement. Touche le sol. ouais, par contre, ouais, quand il a, les véhicules quand ils sont rabaissés dans GTA, maintenant je trouve que c'est trop abusé. Non, c'est trop bien. Non, le truc, c'est qu'ils auraient dû mettre quand même l'abaissement normal, genre. Parce que tu mets le premier de rue, le truc, il a les roues en négatif, il a baissé de 20 cm déjà. Après, forcément, le dernier, il est trop fun. Mais il faudrait des trucs normaux pour les premiers quand même. Moi, j'adore les véhicules quand ils sont éclatés au sol. Littéralement. Quand ils sont réunis au sol. D'ailleurs, j'ai remarqué dans GTA, il y a peu de moments où tu touches le sol avec le pare-choc et tout ça. Souvent, tu transperces le sol. Ah ouais, oui, le dessous du véhicule. En vrai, c'est dommage. Je trouve que ce serait marrant que tu frottes. Ça fasse des étincelles. Oui. On serait tout le temps bloqué. Oui. Je suis en PLS pour conduire moi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je conduis pas ouf. Enfin là tout de suite je conduis pas ouf. Et oui que aujourd'hui Mr. Booster Sky. Oh non mais j'ai rien dit. Oh mais moi je suis en train de me barrer, je sais pas pour vous. Mr. Boost il fait des bisous au PNJ. Ouais ouais je l'aime bien. Le pire c'est qu'on dit ça je me prends un petit muret. Toi t'aimes bien les murs toi. Oui, c'est dur.
Ouais, ça peut être très mal interprété, putain, j'ai de capté. Alors, non. Oui, j'aime bien les murets quand ils sont bien durs. Au secours. Non, pas dans ce sens-là. C'est. Non, 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 c'est pas le bord qui m'intéresse. La L'autre bord du mur. murophilie, c'est Je t'en regarde. Je Eh voulais merde. pas le rayer. Je me suis plus freiné juste à temps. Regarde, oh, il va J'ai aller vu encore plus au Monier point. qui s'est garé. Oh putain, il est complètement défiguré mon truc. On dirait une tonto. C'est Attendez ma parce momie que. l'arrière de mon truc. Attendez-moi parce que du coup je me suis planté. Laisse-moi Je peux passer pas, que je je suis suis en au plein derrière. drift. Ah ouais, d'accord. Je suis concentré là. On va t'attendre à la fin des drifts, gros gros, parce que là, Monier, il est bien lancé. Voilà, ouais, ça c'était le virage de trop. Fais voir ton truc. C'est quoi qu'il faut voir? Vois pas l'arrière défiguré là? Ah oui, bon, il y a peut-être une petite bosse, mais c'est pas. Mais putain, mais je l'ai gardé Oh en bon état. Oups. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, ma couleur secondaire en or, ça passe bien avec mes échappements, vu qu'il y a un détail doré dedans. Oui, en couleur secondaire, j'ai mis or pur. Ouais, bah, ça se comprend. J'ai pété les plombs. Nous sommes au sceau de la mort. Va-t-on le réussir? Vous avez 10 secondes dans les commentaires pour pronostiquer avant qu'on le fasse. Va-t-on le réussir pour la troisième fois de la journée? En fait, on voit Vu rien. comment il est bas mon 4x4, je suis pas sûr. Oh putain, vraiment, c'est un échec total. Ah, mais je crois que j'ai réussi. Attends, je suis en mauvais rebond là. Fren, fren, Moi, je l'ai fren, pas détruit, fren, c'est un échec fren. total, mais j'ai pas détruit mon truc. Fren, mais fren. Oh Vas-y yes! encore. Est-ce qu'on Mais c'est peut. quoi? Mais quoi, mais. Alors, moi, je Mais suis j'étais passé. sur mes roues. J'ai mis la marche arrière à fond pendant 20 minutes et il s'est inversé. Allez, on Putain, est il y avait un rocher. reparti. Oh, il m'a envoyé un Je rocher. t'ai mis dans la gueule, le rocher. Tiens, Chez moi, il était cadeau. pas spawn en fait. Envoyez un rocher. Oh yeah. Par la poste. Pourquoi pas? Quad! Le PNJ, je l'ai envoyé dans l'eau. Oh non, mais qu'est-ce que. Oh là 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 là. Oups! Mais comment Mais il y a avait fait? rien en plus, il y avait rien, juste il est Ouais. passé à côté du pont quoi. Alors, je n'ai pas d'explication, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas. J'ai aucune explication, franchement. Oh le boulet! Je sais pas, en fait j'ai regardé 2 secondes mon autre écran et d'un coup je me suis retourné, j'étais en mode oh merde. Voilà les Ah bah enfants, ouais. n'utilisez pas le tel au volant. Regarde Des mon fois il y a pas 4x4 de. comment il est beau. Ah mais ça se verra peut-être pas bien. Ouais non, ça se verra pas bien. Mais c'est le vert. Non, j'ai mis noir nacré vert. Noir nacré vert. Mais c'est un vert. C'est vert pétrole, non? C'est Un un truc vert dans le style. spécial, oui. Et je voulais le mettre sur les jantes, mais comme par hasard, c'est le seul vert qui est pas sur les jantes. Bah ouais, sinon ce serait trop Ah facile. oui, on Je parle de voulais route. tout en noir et tout, en plastique pour pas que ça reflète, mais les bas de caisse sport ils sont chromés forcément. Je commence à en avoir plein le cul Ah bon? maintenant. Oui. Mais moi j'ai un beau bas de caisse là, il est pas chromé. Ouais, mais ceux que je voulais ils sont forcément chromés. Ah bon? Ouais. Oh merde! Du coup, j'ai mis les barres de toit, les rétro-chromées, ça y est un peu avec. Comme il y avait du chrome sur mes jantes, je me suis dit. Oula! Ça me Star Wars. Oh putain! Le karma! C'est bon, j'ai compris ce que tu avais fait! Je pense que tu as fait la même que moi. À peu près, ouais, à peu près. Je suis arrivé moins fort quand même, j'étais moins.
Bah bon, surtout que moi, en fait, j'étais droit, donc je me suis pas dit, en atterrissant, je vais me faire dégager sur le teco. Eh ouais, mais non, mais si. Mais... Oh, le karma n'empêche ça, mais ça, enfin... J'appelle ça le karma. Arloust. Et je fais la même chose. Oh, mais il m'a fait quoi, là? Oh, par contre, cette fois, tu freines. Oh, au revoir, Red. Enfin, dis les mecs qui sont à 3 km derrière. Pas de pays, ouais. Oh, putain. Je suis en PLS. Ok, j'arrive. Hein. Je suis pas du tout en PLS, c'est fou. Là, qu'est-ce qu'on peut manger? Y a quoi à faire à manger? Et des pâtes. C'est bon, les pâtes aussi. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pâtes. C'est une bonne idée, ça. Moi, je fais des pâtes tous les jours en ce moment. Bah, moi, tu sais que ça fait. Bon, franchement, ça fait 3 mois que j'en ai pas mangé. Non, peut-être pas, j'abuse, mais. Je pense que la dernière fois que j'en ai mangé, ça date d'avant Noël. Ah bah oui, du coup, c'est avant ça. Avant Noël. Ah ouais, c'est quand ça, même. Du coup. Ça date, ouais. Bah ouais, en fait, je mange full légumes. Ah, c'est pas ça. En gros, c'est presque le jour full légumes. Ah ouais, tu dois être en bonne santé. Avec de la viande, quand même, parce que bah. Moi, je mange tout sauf des légumes. Moi, je vais manger un poulet croque. Qu'est-ce que ça? C'est un truc belge. C'est trop bon. Imagine un nugget, mais genre en long et avec une panure spéciale et frit. Ah oh. Trop bon. Au pire, ouais, tu tapes poulet croque sur le pied. En même temps, j'ai envie de dire que c'est belge, c'est forcément frit. Globalement, ouais. Du coup, Mister Boost, monte pas ton cul, il est pas beau. Redsky, ton cul, il est beau. Ah, mais t'as fait ma gueule. Y a rien qui va. T'as fait ma gueule. Non, mais mon toit, il est nickel. Si tu veux, je peux essayer de le retourner. En vrai, tu montes ton cul côté là, toi. Genre côté là. Ouais, voilà. Ouais, parfait. Je me mets comme ça, quoi. Tu recules un petit peu, quand même. Ouais, nickel. Vas-y, Redsky, je te laisse te placer. Redsky, lui, il est tout beau, son truc. Que ça soit devant, derrière, sur les deux. Ouais, j'ai pas tapé tant de trucs. Voilà, on va prendre la miniature comme ça on voit un peu tout. Ouais, nickel, bien joué. Parfait le move là que t'as fait. Moi je vais me décaler là. Voilà, on va prendre la miniature ici. Alors j'espère que. Bah non, je vais pas la mettre trop là. Et miniature. Ça fait 6 ans, il arrive toujours. Prise. Pas. Ouais, non, j'arrive pas. Mais. Ah, surtout qu'en fait, non, ça fait pas 6 ans, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait. Ouais. Un an peut-être. Bah, plus, non. Oh non, ça fait pas longtemps qu'on fait la descente de Rochiana. Non, tu vois, il y a un petit choc au même endroit que ma fiesta. Bah, est-ce que c'est pas le destin? Ah, c'est de ma faute ça. Ouais. Je venais de refaire le pare-choc et il a décidé de faire un slide à la oui, GTA. Oui, je sais. À la GTA. Le pire, c'est que le mec, il a, à part une petite biellette de direction, il a rien plié, quoi. Le choc, quand même. Ouais, mais. Ouais, non, mais gros, mais t'as fait un wall ride, quoi. Le mec, il a juste fait une petite rigueur sur le pare-choc arrière et un peu rayé le pare-choc avant, mais quoi. C'est comme on veut encore. Ouais, mais en vrai, moi, ça va. Ça me fait un souvenir de ouf. Mais par contre, c'est vrai que les deux roues avant. C'est lequel le connard qui a tapé avec ma caisse. Les deux roues avant, ouais, elles étaient à 45 degrés l'une de l'autre, quoi. Mais bon, c'est un détail. Ah, c'est comme dans GTA, quoi. C'est ça. Mais sans le train. Tu vois, les gens qui disent dans GTA, quand les deux roues avant se touchent, que ouais, là, la caisse dans la vraie vie elle roule plus, bah nous on a prouvé avec Monier que ouais. Si, ça roule en fait. À 20 km/h, on a mis 2 heures à rentrer, mais. Wouah! Et sans frein en plus, que. Eh, hey, comme de. Oh non, il brûle! De frein. Tu vas exploser là. Oh, j'ai.
Crocro, il a assis Wagen son 4-4. Hein. J'ai relevé un peu le nez de mon 4-4. Bah, moi il est. Moi il est difforme, mais il brûle aussi. Est-ce qu'il y a. T'as vu, j'ai plus les longs. Bon, bon, je trouvais que ça. T'as vu ce que je dis ? J'ai relevé le nez. Quelqu'un a un extracteur ? Non. Merde. Non. Par contre, les roues arrière, elles étaient bien. Ah, c'est dommage qu'on peut pas avoir d'extincteur dans GTA V. On en ouais, les roues arrière, gros, elles étaient en positif. Dans GTA 6, j'espère qu'on pourra en avant. On en parle de comment mon véhicule il est raplati ? Ben ouais, il est vraiment. Ah, c'est bon, il brûle plus. Ah, oui, mais lui. Bah, comme s'il allait s'en sortir. Regardez mon avant, comment il est. Ouais, on a le même. Oh oui! Oh, le carnage. Elles sont positives légèrement. Légèrement. Trop fort, rien. Bon, voilà, du coup, on va s'arrêter ici. On a terminé tous les véhicules de la partie 1 du DLC. Ça, c'est une excellente nouvelle. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas. Oh, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. Pour la partie 2. Oui, il y en a plein. Enfin, il y en a quelques-uns encore. Donc c'est tout pour cette vidéo. On les connaît déjà, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.